c'est. J'ai fait ce que je veux avec mes cheveux. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comment ça va? Ouais. On commence avec un petit café qui fait plaisir. Il est 9h. Ah, c'est vrai que ça fonctionne plus ça. Il doit être 9h20, un truc comme ça. Je suis sur mon vlog d'hier, donc depuis. Je sais pas, 7h30, 8h, un truc comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, à vrai dire. J'ai mis au moins 1 heure, une bonne grosse heure, une heure et quart, 1h30, à monter mon vlog. En fait, dû au drone, en fait. Le drone me prend énormément de temps à chaque fois, même si c'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de fichiers de drone. C'est parce que, en fait, mon PC n'est pas assez puissant pour. Contenir les vidéos du drone. Enfin bref, hier on vous parlait des tomates. Alors regardez déjà, hop, les chambres des enfants, les chambres d'été. Ouais, on a des chambres d'hiver qui sont là et on a des chambres d'été. Regardez, hop, cette magnifique grappe. Vous en avez encore une là. Vous en avez une là. Bon, on en a mangé entre-temps. Bon, après tout le reste, c'est mort. Tout ça, c'est mort. Et si on a un petit potiron. Ouais, voilà notre jardin avec le bordel. Ce matin, je pense que je vais m'attaquer à un meuble pour le salon. Un petit meuble avec les palettes. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps quand j'ai démonté la cabane. Bonjour. T'as commencé ton vlog toi aussi ce matin, je t'ai entendu. Ah, mais t'es trop rire avec son téléphone, juste entendu. T'as dit, nous les trois nous sommes réveillés, patati patata. Oui, mais Adam, il n'arrêtait pas de parler aussi. Bah regarde, c'est comme moi quand je parle et que tu parles derrière moi, c'est pareil. Bah, c'est pareil. Pour ceux et celles qui font des vidéos, je pense que ça c'est le truc le plus pas relou, mais c'est voilà, c'est quand vous faites une vidéo et que vous voulez que ça soit très calme, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, et que vous avez un enfant derrière qui parle derrière vous, même si parfois c'est gentil, mais c'est vrai que nous, en tant que, on va dire, vidéaste, on aime bien avoir du calme et parler tranquille, comme hier j'ai vu que sur une vidéo. C'était, ça n'a rien à voir avec les enfants, mais là c'était le vent. Et en fait, c'est très chiant. Et on aime bien que tout soit calme. Et quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est vrai que quand il y a un enfant, parfois on est comme ça, genre en mode oui. Et on éteint la caméra et on fait PAH! Pourquoi t'as parlé? Oh, je Non, rigole. pas ça. Bah oui. Elle était là. Non, je fais pas ça, j'ai jamais fait ça. Non. Non. Mais c'est vrai que parfois on leur dit mais taisez-vous, quoi. C'est ma vidéo. C'est ma chaîne YouTube. C'est pas ta chaîne YouTube. Vas-y, on va aller voir ma chaîne YouTube. Ah bon? Et Une vraie toi? chaîne YouTube? Non, une fausse. Bah ouais, c'est une fausse. Et ma chaîne à moi, c'est Dans tes rêves, Aya. Dans tes rêves, Aya? Non, je m'en rappelle plus, mais Crois en tes rêves. Aya. Hein? Quoi? Le monde d'Aya. Ouais, Le le monde monde d'Aya. d'Aya. Ah. Et ben là, c'est le monde de la famille B, c'est pareil. Bon, allez, je vais prendre mon deuxième café de la journée. Ah ouais, c'est il faut au moins 2. Hein. Et j'ai l'impression d'avoir repris encore des couleurs hier. Pourtant, on n'y a été qu'à 18h35. C'est quand même bronzé, on est. Hein. Ouais, je crois. Hein. Ouais, on est d'accord. Et voilà, et on voit ce qui se passe dans la journée. Je vais essayer d'aller voir. Bah, déjà, je vais monter le meuble ce matin, vu que j'ai pas de voiture. Et cet après-midi, je pense que je vais aller voir ce que je vous parlais hier là, avec les cascades. Mais bon, pour moi, l'été, il doit plus avoir d'eau, quoi. Ah oui, parce que t'as fait tomber hier quand Ouais. t'as arrêté.
aucun petit meuble hein, qui paye pas de mine, mais c'était juste pour poser la box, le téléphone. Et au pire, au cas où, un téléphone là. Ouais, trop stylé. C'est l'heure du repas. Ah, il fait chaud ici. Avec le truc, je pain maison et saucisse lentille. Le pire, c'est que j'avais pas assez de lentilles. Ah bon? Du coup, t'avais comment? Bah, t'as pas vu que j'ai sorti une boîte de conserve de lentilles qui doit dater de au moins 6 ans. Bon, on verra bien. Oui, mais bon. Si on est malade demain, c'est ouais, que c'est parce que... Non, c'est qu'il y a un label, donc... Allez, où ta boîte? Voilà, franchement. 6 ans, exagère pas. 2020. Oh, bon, c'est bon, c'est large. Je avril. La boîte de conserve, c'est large. Mais pff, franchement, elle a combien de temps au champ? Déjà au champ, j'ai envie de te dire. Ça fait un an et demi que j'y vais plus, je crois. Ouais, c'est ça. Et je suis pas sûr qu'on ait déjà acheté des lentilles ici. Si. Moi, mais pour si, moi, si, on a fait le déménagement avec. Mais non. C'est moi qui fais les cours, donc non. Bon, je dirais 3 ans. Mais non. Faut pas. J'exagère. Non. Donc voilà, donc le pot midi, c'est ça. Ouais. Et après cet après-midi, on bougera un petit peu. Comme je vous ai dit, on va essayer d'aller voir. Je sais pas si j'emmène les enfants ou pas. Bon, au pire, je vais les emmener comme ça. Si on peut se baigner, on se baignera. Si on peut pas se baigner, on se baignera pas. Et on reviendra et on ira à la rivière de chez nous. Eh, ça doit vous saouler le mec qui va toujours à la rivière. Non, franchement. Ouais, vas-y, y en a marre, Romain est toujours à la rivière, c'est soit il fait la rivière, soit il fait la mer. Bon, il y a un petit peu de vent, on se retrouve avec Aya et Yael. Et donc l'endroit que je vous parle, il est juste là. J'avais fait un 2 minutes de nature qui s'appelle Hérode. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de là, hop là. Là, nous sommes dans l'Hérault. Voilà, nous rentrons dans l'Hérault. Ah, juste avant, nous étions dans l'Aude. Voilà, donc c'est un endroit super sympa parce qu'il y a des grosses falaises comme ça là. Et donc, moi, l'hiver, quand j'y suis passé, il y avait des cascades. Mais là, j'en suis pas sûr qu'il y ait des cascades. Non, c'est assez sec. Donc voilà, on a fini notre petite session baignade avec ouais. Les filles. C'était bien. Alors c'est super, on a trouvé un endroit. Bon, il y a un peu de vent, je suis désolé. On a trouvé un petit endroit là, sympa. Bon, c'est très connu, vu le monde qu'il y a. En fait, je le connaissais moi en tant que vidéo paysage, mais pas en tant que baigneur, on va dire. Mais par contre, il y a beaucoup de monde et en plus c'est beaucoup. Je vais encore dire le mot touriste, parce qu'on a vu, c'est que des Anglais. Il y a des Espagnols, des 9-4, des 31, voilà quoi, du 34. Ah bah, ouais, ça se trouve. Par contre, en fait, donc là, vous avez le côté baignade. Par contre, vous regardez l'eau qui arrive, c'est ça. Ça donne pas envie. Ça donne pas du tout envie quand t'arrives là de te baigner. Mais ah, regarde, on reste sur le mur. Après, c'est une uniforme là. Ouais, c'est une uniforme. Après, en dessous de l'eau, l'eau elle est super claire. Et en fait, c'est l'eau où on vient de se baigner, l'eau est super claire. Mais je pense que ça peut faire des belles vidéos, on y reviendra. Avec le drone et tout ça, les sauts et tout ça, je pense que ça peut être super sympa. Bon, maintenant, il va falloir voir un jour où il n'y a pas trop de monde. Parce que là, il y a peut-être, franchement, peut-être une 40-50 personnes sur 30 mètres carrés, ouais, ou 40 mètres carrés. Quoi. C'est quoi, Phineas et Ferb? Est-ce que, qui connaît Phineas et Ferb? Mais non, c'est trop bien. Il y a un méchant, lui, il se fait toujours contrecarrer par un ornithorynque qui est agent secret. Les deux frères, ils sont super intelligents, les mecs, ils font des
ils font des fusées, des trucs comme ça. Il y a leur sœur qui est un peu teubée, qui veut toujours les faire découvrir par leur mère. Enfin bref. Je vous ai montré le meuble ce matin et il y a une marche, la marche de. Vous avez vu, hein, j'avais fait un petit truc comme ça et en fait je ne savais pas à quoi elle allait servir. Mais non, qui ne monte pas dessus debout. Et en fait, elle s'assoit, ah, yeah, elle s'assoit dessus. Voilà. Et aussi, papa, oui. il a un chapeau. Il est là. Perry l'ornithorynque. C'est un agent secret. À chaque fois, il gagne. Oui, à chaque fois. Donc, voilà, enfin bref, c'était juste pour vous montrer ça. On est rentré. Franchement, ça fait trop bon, du bien à l'intérieur parce qu'il y a la clim. Ouais, je me la pète. Mais grave. Enfin bref. À la clim. On a une clim dans la notre. Oui, non, mais en même temps, c'est un gros truc qui prend trop de place. Et comme je disais hier, je disais, on se la pète, mais après. Ouais, la facture, on va se la péter encore mieux. Déjà qu'on pleure avec notre facture. Et donc, on vient de rentrer, on vient de montrer les images à Corinne, qui a trouvé ça sympa. Ouais. Mais, en fait, elle trouve ça pas aussi sympa que la plage. Ah ben. Donc, rebelote, on a fait de la rivière et on part à la mer. Oui, bah, pas tout de suite, ça va faire un peu. Oui, mais en gros, on repart à la mer. J'en ai marre, je suis blasé de la mer. T'es blasé? Ouais. C'est pas grave, je vais tout seul. Avec les enfants? Je vais te dire, bah non, toute seule, toute seule. Donc on va se retrouver à la mer. Donc je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo comme la même qu'hier. On est d'accord. Je ne vais pas vous refaire un coucher de soleil. Je ne vais pas vous refaire des plans de plage. Je vais peut-être aller faire de la plongée. Et je vais peut-être essayer d'aller chercher des bigorneaux. Ouais, donc en fait, si, je vais filmer un petit peu parce que je vais aller vous récupérer. Vous. Je vais aller récupérer des bigorneaux, je vais vous montrer. Donc on fait ça. 18h07 et il fait 39 degrés sur Narbonne. Donc là, on est en train de se poser la question, est-ce que ça va baisser cette nuit, quoi? Là, franchement, je me pose des questions. Là, il fait 39 degrés à 18h. En gros, ça va descendre à 30 degrés ou 31 en pleine nuit, quoi. Alors, le pire, c'est qu'on est en train de se dire qu'on va sûrement attraper froid en Bretagne. Après, c'est pas un pic. Parce qu'on a regardé, les températures de là-bas sont maximum à 27 degrés. Et la nuit, c'est 19 à 21. Matin, il y a jusqu'à 14-15. Et matin, c'est 14. Donc voilà, donc en gros, on va se taper du. On va passer du 39 à du 27. Ouais, mais c'est que on risque d'avoir froid, ouais, sérieusement. C'est pas grave, je m'en fous d'un froid. Le dieu de la pluie, s'il te plaît, pleure un peu. Ou en Bretagne? Non, non, ici. Non, 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 c'est mort. Je veux du soleil, pas forcément chaud, mais du soleil. Moi, comme ça, on peut visiter. Donc voilà, donc direction la plage pour se rafraîchir un peu, parce que là, c'est la température, c'est plus possible. On n'est pas les seuls dans cette situation, mais nous, on a de la chance d'avoir une rivière pas très loin de chez nous, bah, à côté de chez nous, et la plage pas très loin de chez nous. Donc voilà, donc désolé pour ceux et celles qui en ont marre de la plage et de la rivière. Il faut un faux hiver. Mais faut... Bah, en même temps, on habite à côté de la mer. On va pas arrêter d'y aller parce qu'il y en a, ils sont rageux, vous avez la rivière et la mer. Bah, en même temps, faites comme nous, vous enlevez les... Voilà. Voilà. Et... Faites comme nous, mettez un pouce bleu sur notre vidéo. Voilà. Ah, en même temps, c'est vrai. Après, je comprends que c'est chiant, mais en même temps... Non, mais comme ça, au moins, on vous rafraîchit pour ceux et celles qui ne peuvent pas partir en vacances. Oui, c'est vrai que c'est chiant pour les gens. Voilà. Ouais, mais il y en a, au contraire, ils préfèrent voir des vidéos comme ça que de voir des vidéos nulles. Genre le mec il dit que cette vidéo elle est bien. Oui. C'est la même vidéo qu'hier, c'est quasi la même vidéo qu'hier. C'est canicule. Cet hiver ils auront de la montagne et puis. Bon, on n'aura pas que de la montagne. Cet hiver ils auront de la cuisine, de la ouais. cuisine, et de voilà. la cuisine. Parce que là faut dire ce qu'il y a avec cette chaleur. Et de la cuisine. C'est chaud patate. Ouais. Donc en fait l'hiver vous avez de la cuisine et de la créa. Voilà, et l'été vous avez de la rivière et de la plage. Que demande le peuple? Voilà, on marche avec les saisons. Hein. 39 degrés. Franchement, c'est hallucinant. Il faut compter les ressentis. Les ressentis, ça doit être du 45, quelque chose. Ouais. Hier, c'était 42. Là, ils annoncent encore plus chaud demain et samedi, dimanche. Dimanche, je prends la voiture. C'est ça. Bon, heureusement, on a la clim. Ouais. Allez, bon. Je pense qu'on va mettre la clim à fond. Ouais.
Ouais, mais même la clim à fond, à mon avis, elle va peiner la clim. Ouais. Bon, allez, on vous retrouve à la plage. Corinne est en train de faire à manger. De la grande cuisine pour aujourd'hui encore. De toute façon, en ce moment, c'est pas pain, mayonnaise, jambon. Pour les tout en régime. Très très gros repas encore ce soir. Hein. Ah, on est d'accord. Ah bah, c'est les vacances. Bah non, justement, c'est presque les vacances. On n'est pas en vacances. Donc les vacances. Demain à 4h30, je suis en vacances. Alors, vous regardez, quand vous regardez cette vidéo. Je suis presque. Bah non, tu seras en vidéo. Ah bah oui, c'est samedi. Et je serai en vacances. Donc elle sera en vacances. Mais elle sera en vacances pour faire la valise. Non, bah demain après-midi, pendant la sieste de la petite, je vais commencer à faire. D'accord. Donc, on se retrouve pour la chasse au bigorneau. Alors, la chasse au bigorneau, ça se fait sur les rochers. Fatalement, vous n'allez pas le trouver en pleine mer. Et donc, en gros, vous sur les rochers, il faut aller quand même assez loin. Vous avez des moules, mais les moules à l'extérieur, en fait, elles sont pas bonnes. D'après ce qu'on a compris, quand elles prennent l'air, en fait, elles sont plus bonnes. Donc, en fait, il faut aller très loin au fond, plonger et récupérer les moules, comme on avait fait il y a 2 ans, on l'avait fait, donc on avait été parti récupérer en plongée des moules. Mais là, sinon, il y a des bigorneaux sur les rochers, il faut juste les trouver. Voilà, d'habitude, il y en a trop. Par contre, il y a des gros crabes là qui sautent. Vous les avez là, donc il y en a certains là. Vous en avez là. Et regardez, celui-ci, il est magnifique. Un bigorneau magnifique. Donc allez, on va faire tout le tour. Et on voit ce qu'on trouve. Voici notre récolte. C'est une petite récolte de billes. Aya dit que c'est des billes. Ça fait le bruit des billes en plus. Donc c'est des petits escargots de mer, hein, donc des bigorneaux. Là il me reste juste à les faire cuire. En fait il faut les faire cuire direct avec quelques épices, mais je ne me rappelle plus, il faut que je regarde sur internet. Bon, il me reste 10% de batterie, juste pour vous montrer ça. Voilà. C'est quand même stylé d'être sur la plage pendant un coucher de soleil. C'est stylé. Tiens! Des billes! On les fait quand, ce soir ou demain? Bah, faut les faire ce soir pour les refroidir pour demain. Puis il y a combien là? Il y a peut-être 200 ou 300 grammes. Ça pèse en fait, hein? Ouais, j'irai peut-être boire ça. Aussi, il y a des gros aussi. Hein. Ouais, mais après, trop gros, c'est pas bon. Bah, si, trop gros, c'est pas bon. Oui, bah, on goûtera demain, on les mangera demain. Hein, ça sera dans le vlog. Ouais. On met ça dans le sac, je vais éternuer juste avant. Après. Voilà, juste après. Bon, on va se quitter sur ça. J'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à le liker, comme d'habitude, si t'as l'habitude de le liker. Ouais. Pouce bleu. N'hésite pas. Quoi ? C'est mini. Voilà, n'hésite pas à commenter si ça te plaît de commenter les vidéos. Ouais. Si ça te plaît, si ça t'a plu, n'hésite pas. Voilà. Et on se dit donc à demain. Si tu vas bien, mettez des gros pouces bleus, mettez des commentaires. Tchou.